Salut tout le monde! Nous avions réalisé la dernière fois une vidéo ensemble sur le mode A. Je vous avais expliqué tout ce qu'il y avait à savoir sur ce mode semi-automatique et nous avions abordé la notion de profondeur de champ et de zone de netteté. Alors je suis sûr que vous avez joué le jeu, que vous vous êtes entraîné à fond et que vous avez testé tous les paramètres possibles du mode A de votre appareil. Et vous vous êtes rendu compte que vos photos commencent à avoir un aspect beaucoup plus sympa. Et surtout, c'est ça qui est fun, c'est que l'aspect de vos photos, c'est vous qui l'avez choisi. Alors pour ceux découvrant ma chaîne, je m'appelle Nicolas Faune, je suis photographe animalier et à travers cette chaîne YouTube, je défends le beau, je défends les animaux sauvages et surtout, je vous apprends à les pister, à les observer et bien évidemment à les photographier. Alors cette vidéo va être consacrée au mode semi-automatique, le mode S. Il s'appelle comme ça chez Nikon, alors que chez Canon, on appelle ça le mode TV. Nous allons donc apprendre à gérer la vitesse d'obturation. On peut également l'appeler temps de pose. Pour cette vitesse d'obturation, on va utiliser une unité de mesure en temps, en secondes précisément. Et vous allez voir, ça va nous permettre de faire des photos beaucoup plus dynamiques et surtout avec des animaux qui bougent tout le temps et rapidement. Allez, trêve de bavardage, c'est parti pour le mode S. Alors, comme pour la dernière vidéo avec le mode A, nous allons voir quand et pourquoi utiliser le mode S. Alors, le mode S, il est nommé ainsi parce qu'il veut tout simplement dire speed pour Nikon et TV pour Canon, on l'appelle comme ça pour le time value. Vous allez donc avoir les pleins pouvoirs sur un des trois paramètres du triangle d'exposition, mais il ne s'agit plus du tout cette fois-ci du diaphragme, mais bien de la vitesse d'obturation. Le temps de pose. Souvenez-vous, dans le mode A, nous avions contrôle sur le diaphragme, c'est-à-dire que on gérait la profondeur de champ et la zone de netteté. Cette fois-ci, avec le mode S, on va laisser ça au boîtier, c'est lui qui va gérer ça. Nous, on va gérer le temps de pose. Cette fois-ci, on va gérer l'obturateur. C'est un élément de votre boîtier qui se situe dans votre appareil photo. On va donc gérer une notion de temps. En gros, c'est en combien de temps votre photo va être prise. Et à partir de là, on va avoir deux choix artistiques. Soit vous allez avoir envie de figer le mouvement, peu importe la vitesse à laquelle le sujet est en train de bouger, soit au contraire, vous allez avoir envie de donner un effet de vitesse, un effet de filet avec un petit brouillard comme ça derrière le sujet. L'idée sera de donner une impression de vitesse sur la photo. Et c'est là que quitter le mode automatique est primordial. Eh bah ben oui, quand vous êtes en mode automatique, l'appareil photo, il n'a aucune idée de ce que vous voulez photographier. Et surtout, lui ne sait pas à quelle vitesse votre sujet est en train de bouger. C'est vous qui allez avoir la main et c'est vous qui allez décider. Ça sera fini, les photos ratées, parce que l'animal bouge trop vite. Nous sommes donc dans le cas contraire de la vidéo précédente. Souvenez-vous, je vous avais dit, si l'animal bouge trop, s'il s'agit d'un animal vif ou qui est réputé pour avoir une espèce qui a des mouvements brusques, complètement vous oubliez de faire ces photos-là. Puisqu'on était sur le mode A, où il fallait que les sujets soient relativement calmes, voire qu'ils ne bougent pas du tout. Et bien là, on va pouvoir se faire plaisir. Donc concrètement, vous allez pouvoir prendre en photo tout ce que je vous avais déconseillé de faire précédemment. On va essayer de se faire une petite liste comme ça rapidement. Alors concrètement, tous les oiseaux, hein, les petits passereaux, les rapaces, tous ceux qui sont extrêmement vifs, vivaces, et on ne sait jamais à quel endroit ils vont se poser. Que ce soit les espèces communes comme les mésanges, mais on peut très bien faire ça sur les pics, sur les hippolaïs, sur les pinsons, les rouges-queues, etc., etc. Tous ces animaux à plumes qui nous donnaient du fil à retordre, on va enfin pouvoir réussir à faire des photos nettes. Alors on peut citer également tous les mustélidés, le renard qui mulotte, le chevreuil qui arrête pas de courir, tout ce qui bouge et qui va vite quoi. Alors du coup l'avantage c'est que le mode S peut être utilisé dans tout type d'approche, que ce soit l'affût et bien évidemment la billboard. Le plus important, j'ai envie de vous dire, c'est pas vous votre mode d'approche, ça va être plutôt être la connaissance de l'espèce. Vous devez absolument connaître les caractéristiques physiques de l'espèce. Et vous verrez que du coup, que la difficulté n'est pas vraiment de savoir quand est-ce qu'il faut l'utiliser, mais plutôt à quelle valeur il faut l'utiliser. Mais bon, ça, on va voir ça dans la vidéo. Alors même si ça ne va pas avoir beaucoup d'impact sur votre compréhension du fonctionnement du mode S, je vais vous montrer comment fonctionne un obturateur. Alors, il va exister deux types d'obturateurs, les mécaniques, les électroniques. Dans les réflexes, lorsque vous prenez une photo, le miroir se lève et on voit apparaître derrière un rideau. Ce rideau va se lever
et va permettre ainsi à la lumière d'aller impacter directement votre capteur qui est juste derrière. Donc avec une certaine vitesse, ce rideau va se lever pour que la lumière puisse rentrer et toucher le capteur. Ça va être exactement à ce moment-là que la photo sera prise. Et le capteur va saisir absolument tous les mouvements qu'il capte à ce moment-là bien précis. Et du coup, après, en fonction du temps de pose que vous avez choisi, donc disons un dixième de seconde par exemple, un deuxième rideau va descendre exactement à la même vitesse que le premier. Et ça, ça va arrêter le flux lumineux. Et du coup, ça a pour conséquence que le capteur arrête d'être exposé. Le miroir, du coup, va se remettre à sa place juste après. Vous avez donc compris que le temps de pose va être exactement le moment entre les deux mouvements de rideau. Donc, vous imaginez bien que si vous choisissez une vitesse d'obturation très rapide, disons un 2 millième de seconde, c'est-à-dire qu'en gros, le temps entre le mouvement des deux rideaux est très, très, très court, ça laisse rentrer que très, très peu de lumière. Alors du coup, les obturateurs électroniques, eux, se situent dans d'autres boîtiers, tels que les hybrides par exemple. Et la grosse différence, c'est qu'il n'y a pas de miroir. Le capteur va constamment être au contact avec la lumière. Par contre, c'est lui qui va décider à partir du moment où il enregistre ou il n'enregistre pas. Mais bon, c'est pas le but de la vidéo et j'ai pas du tout envie de rentrer dans ces détails techniques. La seule chose que vous devez retenir, c'est que l'avantage de la plupart des hybrides, c'est qu'ils vont être silencieux au déclenchement. Eh bien ouais, il n'y a pas le miroir. Maintenant qu'on a vu ce qu'était un obturateur, même chose que le mode A, je vais vous donner quelques conseils pour débuter à utiliser ce mode. Alors tout d'abord, même conseil que pour le mode A, lorsque vous allez débuter à utiliser ce mode, mettez-vous dans les meilleures conditions possibles. Donc en plein milieu de la journée, on évite tout de suite les moments de la journée où il y a très peu de lumière, donc pas à l'aube, pas au crépuscule, vous vous mettez en pleine journée, lorsque la lumière est homogène, douce, et constante. Alors l'avantage maintenant avec les exercices qu'on va pouvoir faire avec le mode S, c'est que vous n'avez pas besoin d'un objectif de fou furieux. Là où avec le mode A, il fallait faire attention en fait à l'ouverture que les objectifs nous proposaient, que ce soit variable à 1.8, 2.8 ou qu'il y ait un début d'ouverture à f5 par exemple, là ça pue aucune importance. Là, aucune excuse. À partir du moment où votre appareil vous permet de changer cette notion de temps avec le temps de pose, vous allez pouvoir vous exercer avec le mode S. Comme précédemment, un trépied sera de bon augure pour vous mettre dans les meilleures conditions possibles. Allez, on va partir sur le quatrième point de cette vidéo, les exercices. Comment est-ce qu'on fait pour figer ou au contraire faire un effet de filet pour nos photos? Alors pour le premier exercice, je vais vous donner de la théorie et des exercices à faire à la maison. Comme pour la raison précédente pour le mode A, c'est très compliqué de sortir et d'aller faire un affût photo et d'attendre qu'un animal speed devant nous pour pouvoir vous donner des exemples. Pour le mode A, c'était facile, il suffisait de mettre un bibelot et puis l'exercice, il pouvait se réaliser. Là, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Je peux très bien aller près d'un cours d'eau, balancer une balle en l'air à mon chien ou filmer un arbre avec des branches qui bougent, certes, mais je trouvais pas ça très intéressant pour vous. Alors très simplement, je vais vous expliquer la théorie et je vais vous montrer des exemples concrets sur mes photos. Alors ça va être très difficile de vous donner un rapport de calcul ou des chiffres très précis, mais je peux vous donner quelques exemples. C'est pas parce que vous avez réussi à faire une image nette avec une vitesse d'obturation que ça va forcément être universel pour toutes les situations. En gros, c'est pas parce que vous avez utilisé une vitesse de 1/250 de seconde sur un renard qui melottait que cette vitesse va fonctionner avec une buse en plein piqué. C'est là où c'est difficile, c'est propre à chaque espèce et en fonction de chaque situation. Donc, pour un oiseau en vol plané, calme, sans grand battement d'ailes, par exemple un sterne Pierre Garin qui est en train de voler, en vol plané, 1/125 de seconde, c'est largement suffisant. Alors que si on est sur un troglodyte mignon qui saute de branche en branche, 1 millième de seconde, c'est le minimum. Donc avant de vous donner mes propres exemples sur quelques photos sur l'ordinateur, je vais vous donner 3 exercices à faire à la maison. Le premier, l'eau. Alors, si vous avez un cours d'eau ou de l'eau naturelle pas très loin de chez vous, utilisez ça. Si par contre vous ne pouvez pas et que l'eau qui est la plus proche de chez vous, ben, c'est à la maison, utilisez ben, l'eau de votre maison. Par contre, ben, essayez de la garder histoire de ne pas faire de gâchis, mettez une bassine en dessous ou un seau, quoi. Donc, vous vous approchez d'une zone d'eau, il faut que l'eau soit à peu près constante hein, et puis que le flux soit assez intéressant à photographier. Et vous allez étalonner vos photos, comme pour le mode A. Vous allez vous amuser à changer les variations de paramétrage. Donc, vous vous positionnez correctement sur un trépied, vous prenez la focale que vous voulez et vous allez photographier le fil d'eau.
Commencez par des vitesses rapides et descendez au fur et à mesure. Commencez par exemple par 1 millième de seconde, 1 cent centième de seconde, 1 250e de seconde, 1 50e de seconde, et ensuite amusez-vous à faire ce qu'on appelle des temps de pause longue. Donc par exemple, 1 seconde, 2 secondes, et allez jusqu'au délire peut-être à utiliser encore quelque chose de plus grand. 10 secondes, 30 secondes. Je ne vous dis rien, vous me direz les résultats aux commentaires. Un deuxième exercice sympa à faire, c'est un objet rond qui roule sur une table. Vous mettez votre trépied, vous vous positionnez en fait près d'une table, vous essayez de lancer cet objet pile poil devant votre objectif et vous déclenchez. Et même chose, vous commencez avec des vitesses rapides et ensuite des vitesses lentes. Je ne dis rien sur les résultats, vous me direz ce que vous avez obtenu dans les commentaires, mais normalement, il y a des vitesses qui vont vous permettre d'obtenir une balle figée, alors qu'il y a des vitesses qui vont vous permettre d'obtenir un effet de filet sur votre balle. Et puis le troisième exercice, il est très très simple, bah, c'est votre main. Vous mettez tout simplement votre main devant l'objectif et vous la bougez. Voilà, c'est aussi simple que ça, même chose, vitesse rapide jusqu'à une vitesse lente, vous me donnerez également vos résultats. Et j'ai envie de vous dire, faites pause sur la vidéo à partir du moment où vous ne vous êtes pas entraîné. Faites d'abord les exercices et reprenez la vidéo juste après. J'aimerais vraiment que vous compreniez exactement ce que vous avez fait pour ensuite regarder concrètement ce que ça peut donner sur des animaux sauvages. Ça y est, nous voici devant l'ordinateur. On va donc étudier ensemble quelques photos que j'ai fait en mode S, en commençant tout d'abord par les photos relativement rapides, en tout cas les photos où le temps de pause est rapide, c'est-à-dire au-dessus de 1/250, 1 centième de seconde, quoi, clairement. Or, il y aura beaucoup d'oiseaux, hein, je vous préviens. Alors, on va commencer par le troglodyte mignon. Troglodyte, petite histoire, voilà, c'est un oiseau qui bouge très très vite, qui sautille, qui vole, qui va aller de branche en branche très très rapidement. Et celui-ci, il n'arrêtait pas de sauter partout, j'avais beaucoup de mal vraiment à la voir. Et à un moment, je me suis dit, avec un peu de chance, il va se mettre sur cette branche-là. Chose qu'il a faite. Mais j'ai vraiment voulu figer le mouvement parce que même quand il chante ou même quand il saute, enfin là c'est un mélange entre chant et un saut, je l'ai figé avec 1/1000 de seconde. C'était pour moi quasiment indispensable. D'ailleurs, c'est une donnée, une valeur que je vous conseille lorsque l'oiseau bouge beaucoup ou vole carrément en plein ciel. 1/1000 de seconde, c'est quasiment indispensable pour n'importe quel oiseau qui bouge, surtout quand il est aussi petit que celui-là. Voici le troglodyte. Sur la deuxième photo, on a le rat musqué. Le rat musqué, c'est un animal qui va très très souvent, lorsqu'il mange, lorsqu'il n'est pas forcément en confiance, va manger, va en prendre un peu dans sa bouche, va retourner dans sa tanière dans l'eau, donc il fait des allers-retours en fait avec l'eau pour ensuite revenir. Donc là, si vous regardez bien, on voit un petit peu que le poil est un peu mouillé. J'ai réussi à le figer uniquement à 1/500 de seconde. J'ai dû m'y prendre à plusieurs reprises, à faire plusieurs essais parce que je n'arrivais pas à le figer, et au fur et à mesure, j'ai dû monter en fait à 1/500, sinon je n'y arrivais pas. Le rat musqué, un animal que j'aime beaucoup, qui a mauvaise réputation, alors que je le trouve adorable et qui est trop mignon en fait à regarder. Là, c'est près d'un étang. 1/500 de seconde pour cette espèce dans ces situations-là, pour un rongeur qui court tout le temps. Imaginez qu'il fait des allers-retours entre l'eau, entre guillemets, et sa zone de repas. Donc là, il était en train de partir pour retourner dans l'eau. Alors là, c'est un insecte aussi que j'aime beaucoup. C'est un insecte qu'on peut trouver souvent en plein été, bien évidemment, mais au début de l'automne, bon, après quasiment toutes les saisons sauf l'hiver, la chryside enflammée. La chryside enflammée a des couleurs de dingue. Et la chance que j'ai eue, c'est qu'elle n'était pas en train de voler et que la chryside était en train plutôt de marcher et de façon très rectiligne, c'est-à-dire du bas vers le haut sur ce stère de bois. Et donc du coup, j'ai simplement réussi à faire la focus sur elle et à la shooter à 1/250 de seconde. Ça a suffi, elle ne battait pas des ailes et elle marchait relativement, certes rapidement, mais surtout de façon rectiligne, de haut en bas. Si elle avait commencé à voler ou faire des zigzags, je pense que je serais monté. Mais là, 1/250, ça a suffi, là, sur la chryside enflammée. Hop là, on arrive sur une autre photo, le sterne Pierre Garin, pardon. Là, c'est dans un étang et en fait, je voyais donc ce poteau métallique qui sert en fait de jauge pour avoir la hauteur de l'eau. Et je voyais le sterne, en fait, il y en avait plusieurs, il y avait une colonie et le sterne était toujours en train de voler. J'avais l'impression qu'il souhaitait s'y mettre. Il y avait beaucoup de vent et à un moment, j'ai senti qu'il y allait. Donc là, il est en train de se poser dessus. Il est en train de chanter, il est en train de se poser dessus. J'ai réussi à l'avoir en fait à 1/500 de seconde.
Bon, là, c'est un coup de bol, hein, parce que clairement, après, il n'y a plus retourné. Donc, j'aurais pu très bien être à 1/250 ou 1/1000. Je me suis dit qu'à 1/500, c'est suffisant. Donc là, les pattes viennent de se poser. Il est en train de rabattre ses ailes sur lui. Et je trouvais ça très sympathique comme photo, je l'aime beaucoup. 1/500, vous voyez, sur un animal qui, encore une fois, bouge ses ailes, mais n'est pas en plein vol, en pleine action. Donc, vous voyez, pleine action, pour moi, c'est 1/1000 au niveau des oiseaux. Là, il y avait quand même la moitié du corps qui ne bougeait plus ou qui bougeait très peu. Donc 1/500 pour moi était suffisant. Alors là, c'est mon chien-chien, c'est mon Dobby, un chiot que j'ai adopté très récemment. Et donc là, clairement, quel est le type de photo? Également 1/500. Il est en train de jouer avec son doudou, hein, son jouet, et il faisait des roulés-boulés dans le jardin. Donc imaginez un chien qui a 6 mois et qui n'arrête pas de rouler dans tous les sens. Clairement, j'ai pareil, j'ai eu plein de loupés, un 250e pas suffisant, 1/100 non plus, 1/1000, 1/2000, je trouvais ça assez trop, et puis je perdais un peu de lumière. 1/500, ça m'a suffi. Donc là, imaginez que le chien est en train de faire des roulés-boulés, en train de machuquer son doudou, là, son jouet. Ça a permis de figer, alors là, vous voyez là, on voit une profondeur de champ aussi intéressante, mais en tout cas, ça m'a permis de figer le chien. Donc vous voyez un chien qui, voilà, qui pèse 11-12 kg, à peu près à une dizaine de mètres de moi, et qui fait un roulé-boulé. Voilà, j'ai réussi à le figer avec cette vitesse-là. La fourmi. Alors là, les amis, j'ai besoin de vous, puisque concrètement, les fourmis, j'y connais pas grand-chose. Je veux savoir pourquoi cet abdomen est un peu tigré comme ça, et surtout que les autres fourmis ne l'avaient pas forcément. Donc, s'il y a des experts au niveau des insectes, pourquoi est-ce qu'elle a cette espèce de mella là dans son abdomen, je ne sais pas du tout. Un peu même principe que la chryside, il y avait plein de fourmis. Hein. Concrètement, sur le tronc d'arbre, il y avait plein de fourmis. Je trouvais ça intéressant, le jeu de lumière avec l'ombre. Et donc, la fourmi, elle allait du bas vers le haut. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et ici, en fait, 1/1000 de seconde. 1/1000 de seconde, c'est pareil, j'en pouvais plus. Franchement, je suis resté au moins 10 minutes devant ce tronc. J'ai pas réussi à faire la photo tout de suite. Je suis monté très haut, j'ai été un peu plus bas, enfin, j'ai eu du mal. Et en fait, ben voilà, un repère que peut-être que je peux vous donner si vous souhaitez photographier une ligne de fourmis. En tout cas, pour moi, 1/1000 de seconde, ça a suffi pour la figer comme ça. Je la trouve très jolie. Dites-moi en commentaire hein, si vous savez ce que c'est, l'abdomen. Là. Hop, on arrive ici sur le lièvre. Un jeune lièvre, et vous voyez, en fait, le rapport à la vitesse n'est pas le même, puisque là, il allait vers moi. Et je vous assure que j'ai réussi à faire cette photo à 1/2000 de seconde. Imaginez un lièvre courant vers vous, mais pas du tout faire du gauche-droite, là, c'est carrément vers vous, en fait, donc le rapport à la vitesse n'est pas le même. On va voir dans les astuces juste après. Waouh, c'est hyper rapide, quoi. Je suis assez fier de cette photo, puisqu'on voit relativement bien la lumière à travers ses grandes oreilles. On voit même les petites veines, là. Vous voyez comment c'est? Je trouve ça intéressant. Voilà, donc 1/2000, tellement il allait vite vers moi, il est en pleine course, on le voit bien. Et pourtant, le moment est bien figé, je trouve. Donc 1/2000, vous voyez, sur un animal terrestre qui court très vite. Ça peut être un rapport qu'il faut retenir. On va avoir deux photos ici qui vont succéder sur de l'eau. Alors, c'est juste un petit clin d'œil par rapport à l'exercice précédent. Donc là, c'est une main qui positionne donc, voilà, sur un petit cours d'eau, en fait, sur un robinet. On voit bien que la photo a été figée, je suis à 1/500 de seconde. Et la photo est totalement figée, on voit les gouttes, on voit le spray d'eau ou quoi que ce soit. Alors plus on s'éloigne peut-être ou plus c'est un peu plus flou, mais en tout cas je trouvais ça intéressant pour vous donner un exemple, un petit clin d'œil par rapport à tout à l'heure, 1/500 de seconde. La photo est bien figée, j'en ai une deuxième. On voit que le flux là est un peu plus conséquent, mais voilà, on voit bien en fait, on a bien l'impression que l'eau est totalement gelée et c'était l'effet escompté. Le renard, le vulpes, ici, intéressant, il est en fin de course. Donc imaginez qu'il est en train de muloter et tout d'un coup, il décide de courir à fond. Et à un moment, je le vois ralentir et c'est à ce moment-là que j'ai pris la photo. On voit au niveau de ses jambes d'ailleurs, hein, qui ici et ici, il est vraiment en train de s'arrêter seulement 1/750 de seconde pour pouvoir le figer ainsi. Il speedait, hein. Franchement, il speedait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc je suis relativement content de cette photo. J'aurais pu le figer un peu plus peut-être, mais 1/750 pour le renard en train de courir, ça m'a suffi, je suis content du résultat pour cette fois-ci. Alors ça c'est une photo, j'ai hésité à vous mettre dans la vidéo, mais je me suis dit quand même c'était intéressant. Pour moi elle est à moitié ratée. Ça peut être intéressant, sauf que c'est pas l'effet que je souhaitais. Je souhaitais vraiment figer plus le mouvement. Mésange charbonnière, qui est une mésange donc cavernicole, c'est-à-dire qu'elle va dans les trous pour pouvoir faire son nid, pas tout le temps, mais le plus souvent possible. On voit le trou est là. Et donc, vous voyez qu'il y a du flou, quoi. Vous voyez qu'il y a du flou, et c'est la seule photo que j'ai.
Je l'ai mis à 1/500 de seconde. Or, je viens de vous dire, vous voyez précédemment, que pour les oiseaux en vol, c'est 1 000ème au minimum. Et là, on voit ce que ça peut donner quand l'image n'est pas assez figée. Alors certes, on reconnaît l'espèce, certes, on va reconnaître le fait qu'elle est en train de voler, mais vous voyez que les extrémités au niveau de ses ailes, bah, c'est pas assez flou, quoi. Au plus on va s'éloigner comme ça, là, au plus ça va être flou. Donc intéressant, voilà. Alors ça pourrait être suffisant, il y a peut-être des photographes qui vont faire ces photos-là et ça va leur plaire. Moi, ce n'est pas l'effet que je souhaitais. Je souhaite exactement ce mouvement d'ailes-là, je trouve ça tellement beau lorsqu'ils ont les ailes tendues comme ça, mais je suis vraiment que je souhaitais que ça soit super net. Donc je pense qu'il aurait fallu que je monte facilement à 1 000ème, voire à 1/2 000ème de seconde. Après, la lumière n'était pas facile, donc j'ai fait ce que j'ai pu. Néanmoins, voilà, je souhaitais vous la présenter pour le fait et pour vous donner un exemple. Alors celui-là, il m'a fait beaucoup rire, le rouge-gorge. J'ai la vidéo d'ailleurs, peut-être un jour je vous le mettrai. C'était un bébé, c'est un juvénile, et en fait il faisait la samba. C'est-à-dire qu'en gros, son corps était totalement fixe, mais ses pattes, elles faisaient toutou, toutou, toutou. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des oiseaux faire ça. Vraiment, il était toujours en train de se baisser comme ça. Et un 250ème de seconde a suffi pour le figer. J'avais essayé en dessous, mais son corps était un peu flou. Et j'ai pris un petit peu de temps en fait, pour prendre la photo, et ça a été réussi à 1/250ème, puisqu'il n'y avait que ses pattes qui bougeaient, concrètement. Même si son corps a pour conséquence de bouger, mais concrètement, il n'y a que ses pattes qui bougeaient, en fait. Comme ça à descendre, il m'a fait vraiment rire dans mon effet. Ça me faisait rire, en tout cas. Même là, maintenant encore. Et donc, du coup, 1/250ème, ça suffit. Vous voyez, quand un oiseau ne bouge pas beaucoup, mais juste un petit morceau, on peut descendre en termes de vitesse. Ici, un moineau domestique, également 1/250ème de seconde sur une toiture. Concrètement, il allait tout doucement, il marchait un tout petit peu, il sautait, il marchait, il sautait. Ils ont une zone comme ça là-bas que je connais où ils vont systématiquement près de la gouttière. Je la trouve rigolote la photo où il est en train de sauter les jambes en avant comme ça. J'ai l'impression qu'il va se casser la figure. Donc 1/250ème, encore une fois, vous voyez, quand un oiseau ne bouge pas beaucoup, on peut descendre en termes de vitesse, toujours pour avoir une image nette. Et enfin la dernière, alors je me suis planté dans le texte, hein, c'est pas un stern, c'est bien une mouettrieuse. Photo pas facile puisque sur fond blanc, oiseau blanc, c'est vraiment pas facile pour faire la focus. Néanmoins, elle est réussie. Et là, l'oiseau était en train de battre des ailes. Donc 1/2 000ème de seconde parce qu'il est vraiment en train de foncer comme un fou. Et je suis content d'avoir réussi là-dessus. J'ai préféré monter vraiment fortement en niveau de la vitesse dans la mesure où sur le fond blanc, j'étais vraiment pas sûr que l'appareil réussisse à avoir le contraste et y arriver. J'ai fait une rafale. Et parmi les rafales, j'ai réussi à sortir cette photo-là que j'aime beaucoup. 1/2 000ème, vous voyez, sur un oiseau qui bouge beaucoup, qui bat des ailes à fond. C'est pour moi un des chiffres les minimums. Voilà, on a terminé sur les photos relativement rapides, avec un temps de pause rapide. Maintenant, on passe sur les temps de pause relativement lents. Voilà, alors qui dit temps de pause lent, on appelle ça donc une pause longue, tout simplement. Je ne suis pas fan. Clairement, vous allez le voir, je ne suis pas fan. Je vais présenter simplement deux photos. Alors, je ne suis pas fan, pas parce que j'aime pas. Parce que j'en fais quasiment jamais, tout simplement, parce que j'aime bien, moi, personnellement, saisir l'instant. Et à chaque fois que j'ai un filet sur mes photos, bah, en gros, c'est soit un coup de bol, soit que la photo est ratée. En tout cas, c'est pas fait exprès. Donc, du coup, je vous présente deux photos de paysage sur l'eau. Comme ça, c'est un petit clin d'œil par rapport à l'exercice précédent. Alors, tout d'abord, ici, une photo faite à 1/10ème de seconde. Donc, cours d'eau relativement lent. On voit que l'eau est en train de bouger avec des petites effluves comme ça, mais c'est relativement calme. Et c'était le cas, parce que l'eau bouge quasiment pas. Et dans ce cas-là, quand vous faites une pause relativement longue, en fait, on a quand même ce petit effet de mouvement. Donc ça fait quand même ces petits effets de mouvement, même si ce n'est pas extraordinaire. Alors que sur la deuxième photo, là, c'est le vrai torrent. On est vraiment sur une photo où l'eau va très 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 vite. Et là, la photo a été prise à une seconde de temps de pause. Vous voyez que l'effet est totalement à l'inverse. On a vraiment l'impression que c'est une énorme cascade et que si on va dedans, on va être emporté par le courant, quoi, quelque part. C'est l'intérêt des temps de pause longue sur l'eau. On voit vraiment le contraste. Je vous remets la précédente, 1/10ème de seconde avec de l'eau relativement calme. Et ici, 1 seconde avec de l'eau totalement agitée. Voilà, c'en est tout pour les exemples. Comme la vidéo sur le mode A, je vous donne quelques astuces pour pouvoir vous exercer. C'est pas facile, hein? Autre astuce, il faudra prendre en compte la vitesse de l'animal. Je m'explique. Quand je dis vitesse de l'animal, c'est surtout sa trajectoire, puisque ça n'a pas du tout la même conséquence entre un animal qui passe devant vous de gauche à droite et un animal qui fonce sur vous. Ça n'a pas du tout le même impact. Si un groupe de chevreuils se déplace latéralement de gauche à droite devant vous, une vitesse de 1/250ème de seconde suffira largement pour fixer l'instant. Alors que si ce même groupe change de direction et se dirige sur vous, il faudra au minimum une vitesse d'1 000ème de seconde, car le rapport
temps-espace sera pas du tout le même. Et seulement ça vous permettra d'avoir une photo bien nette. Prenez ça en considération. Si votre appareil le permet, je vous conseille bien évidemment d'utiliser le mode rafale. Avec une seule priorité, ne surtout pas déranger l'animal. On a déjà vu que le mouvement du miroir avec une seule photo pouvait faire un bruit dérangeant. Alors imaginez si votre rafale est à 10 images par seconde. Là, ça va être catastrophique. Donc n'utilisez la rafale que si vous êtes sûr et certain que l'animal ne l'entendra pas. C'est une question d'éthique. Alors, je ne rentrerai pas dans le débat du « ouais, mais les rafales, c'est pour le débutant, autant utiliser le mode automatique, ça sert à rien ». Oui, je vous assure que j'ai déjà entendu ça. Pour moi, c'est simple, l'utilisation de la rafale, ça vous permet de mettre les meilleures chances de votre côté sur les 10 photos d'avoir une photo réussie. J'ai envie de vous dire, à partir du moment où c'était votre volonté de saisir tel ou tel instant de telle façon, si la rafale vous permet d'avoir de meilleures chances de réussite, utilisez-le. Ça vous permettra même de saisir des mouvements que votre œil n'avait même pas vus. Autre astuce, utilisez un trépied et un stabilisateur lorsque votre objectif et votre boîtier le permet. Alors attention, dans les règles d'utilisation de la stabilisation, il y a des conseils. La stabilisation est à utiliser quasiment tout le temps, sauf dans certaines situations sur les trépieds, puisque utiliser un objectif stabilisé, le mettre en on alors que vous êtes sur le trépied, des fois ça peut avoir un petit effet chaotique sur vos photos. Moi personnellement, la stabilisation sur mes objectifs, je le mets en on uniquement lorsque je suis en billboard et puis lorsque je n'utilise pas de trépied ou de monopode. Par contre, dès que je suis sur trépied, j'enlève ma stabilisation, elle ne sert plus à grand chose. Et enfin, une dernière astuce, c'est le rapport 1 sur focal. Donc en gros, si vous êtes sur un 500 mm, il est conseillé de shooter au minimum à 1/500. Si vous êtes avec un 600 mm, à 1/600, etc., etc. Voilà, cette deuxième vidéo technique de la chaîne est faite et réalisée. J'espère en tout cas que ça vous plaît. Moi, je prends un kiff phénoménal à les réaliser, à les faire. Mais pour moi, c'était important dans la mesure où je ne suis pas sûr que ce soit si simple pour tout le monde. Alors, vous imaginez bien qu'on ne va pas en rester là. Je vais continuer à faire ces vidéos un petit peu techniques et on va aller de plus en plus loin sur des thèmes divers et variés. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre le pouce en l'air, de mettre des commentaires, ça aide la chaîne à grandir. Et en tout cas, je vous souhaite le meilleur et d'excellentes photos. La nature vous remercie, je vous dis à très bientôt. Ciao !